Vous sentez comme ça sent bon, bah c'est normal, c'est Table en Folie qui se prépare. Ça se passe au pavillon Joséphine à l'Orangerie. On est avec Philippe Messer, le président des fleuristes du Bas-Rhin. Est-ce qu'on peut dire que Table en Fête, c'est plusieurs événements en un, c'est et de la formation pour des fleuristes, mais également du plaisir pour les yeux des Alsaciens? Absolument. On a dans cette opération trois événements majeurs. Le séminaire de formation réservé aux professionnels de la fleur, dont tous sont en exercice, hein, certains ont des boutiques. Deuxième événement, parce que les fleuristes ont du cœur, ils ont envie de partager. Ils ont donc décidé, ayant tous les critères rassemblés pour faire un beau dîner de gala, nous avons proposé aux Étoiles d'Alsace de participer à ce dîner de gala au profit de la Fondation Passion Alsace. Et vous décorez toutes les tables? Toutes les tables vont être décorées, garnies, avec un bon repas, cuisiné par les Étoiles d'Alsace. Et le troisième événement, et c'est l'ouverture au public. Voilà, tout à fait. Samedi, dimanche, 10h, 19h, en non-stop. 3€ l'entrée, c'est pas cher, c'est gratuit pour les moins de 18 ans, parce qu'on veut aussi pousser les jeunes à découvrir un métier. Donc on ne va pas les faire payer pour ça et on espère que beaucoup de parents viennent avec leurs jeunes qui sont en recherche d'orientation professionnelle. Alors Table en Folie, ça se passe durant 3 jours en Alsace. C'est 370 fleuristes qui nous font plaisir au quotidien. Là, durant 3 jours, vous allez mettre les fleurs, j'ai tendance à dire, au service de la table. Là, le stage de cette fois-ci est un stage qui travaille des grands décors pour des dîners de gala, des grandes réceptions qu'on n'a pas forcément l'habitude d'avoir dans nos petites boutiques ou magasins. C'est quoi les nouvelles tendances en matière de fleurs? En matière de fleurs, il n'y a pas de nouvelles tendances. Il peut y avoir des nouvelles couleurs, des nouvelles variétés, des végétaux qui tiennent plus longtemps, mais c'est surtout qu'ils sont travaillés différemment. Actuellement, on travaille beaucoup avec des pipettes. On n'a plus le bouquet traditionnel qu'on met dans un vase. Ah, c'est des techniques issues de la restauration, souvent. Ça peut, on s'inspire de tout. Après, il y a différents nouveaux matériaux. Actuellement, on travaille beaucoup la laine, on travaille beaucoup le fil laiton, les fils laiton de couleur. Voilà, donc. Que font les jeunes filles qui sont derrière nous? Qu'est-ce qu'elles préparent? Là, elles vont préparer un montage avec tout le gypsophile qui est derrière. Donc, elles sont appelées à tresser des fils laiton pour ensuite les monter avec du gypsophile. En fait, cette manifestation, c'est de dire que le fleuriste, c'est un métier à part entière et c'est pas j'achète des fleurs et je les revends. Absolument. C'est la raison pour laquelle on ouvre l'exposition 2 jours au grand public pour vraiment montrer quelle est la différence entre un fleuriste professionnel et un vendeur de fleurs tout basique. Il y a réellement un savoir-faire derrière, il y a réellement de la créativité, il y a une mise à jour des produits et ça, il faut le faire connaître au grand public. C'est quoi le secret d'une belle table? Je ne parle pas ce qu'il y a dans l'assiette, hein, ce qu'il y a autour. Hein. Une belle table, sous le plan floral, c'est une présence florale qui ne dérange pas, déjà. Après, celles qui seront visibles ce week-end sont forcément d'exception de par leur taille et par leur conception. Voilà, formation, pédagogie, mais également plaisir des yeux. Toutes les informations s'inscrivent actuellement sur l'écran. Merci à vous. Ça sent toujours aussi bon. Hein. Merci à vous. Ça marche bien.